Le maillot jaune de plus en plus loin pour les étalons cyclistes Kamou Malo et Lazare Bansé. D'attaque donc pour aborder les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver sur Tui TV, la télé interactive pour le meilleur du sport national. Et donc pour les parties débrief et analyse, nous avons un duo de choc une fois deux, plus Ibé et Cabré sur ma droite et Salamere, donc Adama sur ma gauche. Salamere, bonsoir. Bonsoir William et merci de m'accueillir chez toi et puis ben voilà. C'est un plaisir pour moi, pour ceux qui ne le savent pas, Salamere est tout simplement surnommé le grand maître. Voilà. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous William, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tui TV. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être associé à cet océan de bonheur et d'honneur qui va nous permettre de placer une actualité, un mot sur l'actualité sportive. Et surtout, félicitations encore pour cette magnifique tenue bleue. Moi qui pensais que tu ne te revêtais que de jaune. Voilà, donc Salamere, on donc poursuit cette émission avec le tour international donc du Faso. Un tour qui, petit à petit, est en train d'échapper aux étalons. Les Burkinabés se sont une fois de plus laissés battre ce jour entre Koubri et pour victoire donc signée de Mario Vogt. Une donc victoire donc qui confirmait le maillot jaune de Bilchman Daniel. Pour ainsi dire tout simplement que les Burkinabés devront batailler pour les deux dernières étapes s'ils veulent conserver le maillot jaune donc au Burkina Faso. Résumé de cette huitième étape avec notre envoyé spécial sur le tour, Assami Thiem Touré. Pour cette huitième étape du Tour international du Faso, 69 coureurs ont pris le départ de Koubri pour Pau, longue de 126 km avec deux points chauds à disputer. Au premier sprint intermédiaire à Manga, au kilomètre 65, un petit groupe d'échappés d'au moins 15 coureurs, dirigé par Paul Dumont, crée un écart de 2 minutes avec le peloton. Paul Dumont remporte ce premier point chaud. Le jeune Burkinabé va conduire le groupe d'échappés jusqu'à Nobéré, et s'adjuge ce point chaud également. À partir de ce moment, il crée un écart de 5 minutes avec le groupe maillot jaune. Ce groupe d'échappés mené par Paul accélère et enregistre un écart considérable sur le reste du peloton. À l'arrivée finale, c'est Mario Vogt de l'Allemagne qui remporte l'étape, suivi de Hermann Killer, son compatriote, et Paul Dumont du Burkina Faso. Selon le Burkinabé, l'objectif au départ était d'engranger des points à cette étape. Bah, la consigne, c'était d'être vigilant. Comme on est déjà presque à la fin du tour, on savait que les échappés étaient capables d'aller jusqu'au bout. Même une échappée matinale. Et voilà, l'échappée s'est dessinée à 25 km du départ. Et c'est arrivé jusqu'au bout. On arrive avec énormément d'écart avec le maillot jaune. Donc cela montre bien l'état de fatigue globale du peloton. Et ça reflète encore une fois la difficulté de ce tour du Faso 2021. Puisque le maillot aujourd'hui change encore une fois d'épaule. Et voilà, donc on se rapproche encore du maillot jaune. On n'a pas encore eu l'occasion de le porter, mais on espère qu'on sera bel et bien les derniers à le porter. Mario Vogt fait ce parcours en 2h34 avec une vitesse moyenne de 48 km/h. Et l'écart avec le groupe maillot jaune à l'arrivée est de 22 minutes. Une performance bien appréciée par le directeur technique national du Burkina, Martin Sawadgo. Pour lui, les Burkinabés ont encore une chance de porter le maillot jaune. Moi, je vois que que nous allons y arriver, que nous allons atteindre notre objectif. Dès le début, je vous ai dit que notre objectif, c'est le maillot jaune. Et même hier, après la course contre la montre, beaucoup de gens s'étaient découragés. J'ai dit non. Une course cycliste, tant que vous ne franchissez pas la ligne des 10 étapes, il ne faut jamais perdre espoir. Et moi, je connais la potentialité des étalons cyclistes. Je connais la potentialité des Burkinabés. Les écarts aussi, c'est-à-dire que si on fait une observation générale, il n'y a pas de raison, s'ils respectent les consignes comme ce qu'ils l'ont fait scrupuleusement ici, on ne puisse pas atteindre l'objectif, on ne puisse pas réellement, prendre notre maillot jaune. Au classement général des maillots les plus convoités, Daniel Bichmann récupère le maillot jaune. Wouter Rutger de la Belgique garde son maillot vert, le maillot au point, et Hamza Yassine également conserve le maillot rose, le maillot des sprints intermédiaires. Paul Dumont lui récupère le maillot du plus jeune et celui du meilleur Burkinabé. Ce samedi, c'est la 9e et avant-dernière étape du Tour du Faso. On prendra le départ à Manga pour rejoindre Zinyaré, longue de 125 km.
Voilà, une huitième étape donc qui confirme, je le disais, d'entrée, hein, la défaite des étalons à ce tour, même si c'est pas encore terminé, deux étapes pour certainement donc ravir le maillot jaune. Mais en attendant, il faut préciser que ça roule vite, très vite, parce que ce matin, entre donc Koubri et Pau, on a roulé pour 47,519 km/h. Il fait assez chaud. Alors, est-ce que, on va dire, ce rythme infernal-là, quelque part aussi, ne joue pas sur les résultats des étalons, quand on sait que lors de la dernière course sur Charles de Gaulle, la vitesse moyenne était à 39 km/h IB. Je ne pense pas que ce soit une excuse pour nos coureurs burkinabés. Peut-être qu'ils ont péché au niveau de la stratégie. Sinon, le climat nous appartient, les routes nous appartiennent et c'est nous qui les connaissons mieux que quiconque. Est-ce que quelque part aussi, justement, on ne s'est pas trop focalisé sur Paul Daumont? Est-ce que, de façon inconsciente, l'opinion publique ne s'est pas dit que cette année, c'est le tour de Paul Daumont? Et puis finalement, Paul qui a du mal à s'accrocher, le maillot vert, il ne l'a pas, le maillot jaune, il ne l'a pas, le maillot rose, il ne l'a pas. Finalement, il se contente seulement du maillot du plus jeune. Est-ce qu'également, on n'a pas pris un faux départ à ce tour? Oui, absolument. Je l'avais dit la fois passée, parce que j'ai l'impression qu'on a été un peu débussolé parce que la stratégie était basée sur Paul Daumont. On voulait faire de lui le maillot jaune comme les années précédentes où, effectivement, il y a les jokers et tout le monde travaille pour. Paul Daumont ayant donc fait un faux départ lors de la première étape, on se retrouve avec un meilleur Burkinabé nommé Souleymane Koné. Et derrière, la stratégie pour faire de lui le maillot jaune n'a pas abouti. En tout cas, après 8 journées, qu'est-ce qu'il faut faire? 7 journées, et on a vu qu'au niveau de la 8e journée, je ne sais pas si c'est une prise de responsabilité ou quoi, mais Paul Daumont, c'est véritablement lui qui a éclaté la course et qui a même fait que le maillot jaune a perdu dans son titre. Parce que lui, avec les autres, d'abord, il remporte 2 sprints intermédiaires, après il tire le peloton avec 3 échappés. Sur un écart donc de 5 minutes. Donc ça fait que du coup, le maillot jaune a perdu son maillot. Et justement, ce réveil de Paul Daumont, entre donc Koubri et Pau, demain c'est Manga Zignaré, Salambéré. Est-ce que Manga Zignaré peut être l'étape du Burkina? Paul Daumont, qui tranquillement, visiblement en train de monter en puissance, est-ce qu'il peut faire demain le job, comme on dit? Oui, ça peut être une étape décisive pour Paul Daumont, parce que là, il est en train de monter en puissance. Vous savez pourquoi l'équipe burkinabé l'avait mis comme tête d'affiche dans l'équipe A? C'est parce qu'il a engrangé un certain nombre de points, de victoires un peu partout en Suisse, même au Tour du Cameroun, il a remporté le maillot vert. C'est ce qui a fait qu'on le plaçait devant. Maintenant, la stratégie a peut-être manqué dans l'équipe burkinabé parce que voilà, il aurait fallu changer au vu de la première étape même où Souleymane Koné est sorti vraiment de l'ombre pour venir s'imposer en grand maître. Mais je me dis qu'au vu de cette situation, Ibe l'a remarqué par rapport aux derniers 5 km d'arrivée aujourd'hui, c'est lui qui a fait le travail. Malheureusement, il n'a pas eu d'accompagnant parce que vous avez vu le vainqueur Vogt. Il était accompagné d'un autre Allemand qui l'a aidé à remporter cette victoire. Si un Burkinabé avait suivi Paul Daumont dans l'échappée. Voilà. Mais on se dit que la stratégie peut changer parce que les gens peuvent revenir sur eux-mêmes et puis véritablement voir qui est le véritable leader dans cette équipe pour véritablement s'imposer. Lui-même, il a dit, il se peut que le Burkina porte le dernier maillot jaune. Quand on voit les écarts, ce n'est pas des affaires de 10 secondes, ce n'est pas des affaires de 15 secondes, c'est des écarts un petit peu importants. C'est vrai que ça ne correspond pas à grand-chose en cyclisme. On peut facilement avaler une minute. Est-ce qu'avec ces écarts, il est possible? Faut-il donc baisser les bras ou bien est-ce qu'il faut croire que c'est possible? Parce que pour casser tout, il faudrait que Paul Daumont se fasse demain la malle et qu'il parte seul. Hein. Non, il ne faut jamais dire jamais en matière de cyclisme, parce qu'il faut aussi compter sur les chutes et autres situations accidentelles qui peuvent intervenir et bouleverser complètement le classement définitif. Donc il faut y croire. Et moi, je pense que la stratégie adoptée par Paul Daumont aujourd'hui, c'est la meilleure. Parce qu'on est à deux étapes de la fin et qu'on ne voit pas véritablement les Burkinabés sortir de la tête de l'eau. Et surtout avec cette affaire de course contre la montre où on a été complètement éclaté dans la course, on avait vraiment perdu espoir que dans ce tour du Faso-là,
on n'allait plus pouvoir se relever. Donc, sauf que là, Paul Domon, véritablement, a fait un travail de baroudeur. On va lui dire félicitations au passage, même si il faut davantage multiplier les efforts pour qu'on en arrive donc au résultat escompté. C'est vrai que le Tour du Faso, ce n'est pas que du vélo sur les pistes. Le Tour du Faso, c'est également les nuits chaudes, hein, jadis organisées par le regretté Francis Ducré. Le Tour du Faso également, c'est les ambiances le long des routes. Dans certaines localités, les élèves sont le plus souvent libérés afin d'acclamer donc le peloton. Assami Thiem Touré, sur le tour, a donc promené sa caméra pour vivre l'ambiance en off, on va dire, hein, l'ambiance donc apportée par les populations des localités traversées durant ce Tour du Faso 2021. Vive le Tour du Faso Cycling TV. Ils sont nombreux, ces amoureux de la petite reine, qui souhaitent voir le passage de la caravane du Tour du Faso dans leur ville. Attentif et le regard figé vers l'infini, on est pressé de voir le peloton venir pour les accompagner avec des applaudissements. Pour mieux revivre l'événement, il y en a quelques-uns qui sont scotchés à leur téléphone nouvelle génération. Rien ne va nous échapper et on est très content de voir les Burkinabés à l'œuvre, disent-ils, accompagnés avec des encouragements. Oui, effectivement, parfait. Je suis content de voir le circuit se passer ici à Goudoussipa. Le Tour du Faso, c'est bon pour nous, le pays, ça avance le pays devant. Et puis, bon, à travers le monde entier, bon, tout le monde sait que Burkina, dont nous, on organisait le FESPACO, Tour du Faso, tout de nous, nous sommes contents. Les étalons, bon, je souhaite les étalons, bonne chance à les étalons. Ils n'ont qu'à prendre les premières étapes. Voilà, c'est tout, c'est mon point de vue. Maillot jaune, merci là-bas, c'est ça, ouais. À notre passage après Gourcy, nous sommes tombés sur un groupe d'élèves sortis nombreux pour ne pas se faire compter l'événement. Hein? Je ne connais pas. Tu connais pas le Tour du Faso? Qui connaît le Tour du Faso? Tu connais pas le Tour du Faso? Qui connaît le Tour du Faso? Personne. Malheureusement, c'est difficile pour eux de nous dire ce que c'est que le Tour international du Faso. À Wayuguia, c'est une grande foule qui est sortie également pour assister à ce sprint final. Ils disent très satisfaits de l'organisation. On a apprécié l'arrivée. Vraiment, nous sommes ravis d'assister à ce Tour du Faso. Vraiment, on remercie tout le monde. Voilà, merci beaucoup. C'est un événement sportif. Mais dès que ça. Bon, il y a beaucoup de pays qui ont assisté le Tour du Faso. Donc, ça fait beaucoup de choses aussi pour les pays. Ça nous fait plaisir, effectivement, de suivre le Tour du Faso. Pour vous, ça représente quoi le Tour du Faso? Ça représente vraiment le sport, ça promeut en tout cas le sport burkinabé. Voilà. Et en tout cas, ça, au-delà du Burkina, l'Afrique également, le Burkina Faso est représenté niveau sport. Voilà. Je peux vraiment apprécier l'ambiance de l'arrivée. Vraiment, ça va droit au cœur. Oh, je suis content. Et que l'année prochaine, notre pays soit même chose. Et que la paix revienne au Faso. Après l'édition manquée de 2020, c'est évident que la population attendait ce moment de bonheur de revivre la grande fête de la petite reine au Burkina Faso. Voilà, le Tour du Faso et ses ambiances, belle ambiance, est malheureusement gâchée par ces enfants de Banfoura qui ne savent pas ce qu'est le Tour du Faso. C'est vraiment dommage. C'est pourtant la plus grande. Je croyais que ça avait été dit Wayuguia. Non, non, c'est des enfants de Banfoura, rassurez-vous, ce n'est pas des enfants de Wayuguia. Ces gamins-là, ils viennent de Banfoura, tout simplement. Alors, bien sûr, on reste toujours avec donc, le Tour du Faso après. Donc, l'ambiance, on va parler de l'une des commissions. Lundi, nous parlions de la commission technique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre commission importante, très, très importante. Hein. Certainement, sans elle, le Tour ne serait pas arrivé à son terme, puisqu'il s'agit de la commission santé, celle-là donc qui s'occupe des petits bobo que les cyclistes pourraient avoir et pourquoi pas des petits bobos que les membres donc de la caravane également pourraient avoir. La commission santé est une commission très sollicitée dans le Tour du Faso. Son rôle est de veiller à la santé de toute la caravane et en particulier des cyclistes, surtout pendant la course. La commission santé est composée de
été victime d'un incident mécanique de trois noms à moins de 1 km de l'arrivée. Nous sommes organisés. Ma première équipe, c'est celle qui est là, voilà, qui a pour attribution le suivi de l'écart. Voilà, c'est l'équipe qui suit les cyclistes. Nous avons une deuxième équipe pendant le contexte de Covid, voilà, qui est chargée de faire respecter les mesures barrières. Nous avons une troisième équipe qui est chargée de contrôle antidopage. Voilà, cette équipe aussi se trouve déjà même à l'arrivée. Voilà. Et nous sommes à la cinquième étape aujourd'hui qui a pris le départ de Lumbila pour rejoindre Kaya. Une petite distance à parcourir et jusqu'au kilomètre 30, c'est-à-dire avant le premier point chaud à Zinyaré, rien à signaler, tout est calme. Chose qui arrive rarement depuis le début du Tour du Faso. C'est rare. Depuis que la course a commencé, on n'a pas eu une étape voilà, où on n'a pas eu un coureur victime voilà, d'accident. La première étape, ils étaient deux. La deuxième étape, Bobo Dedoubou, ils étaient 11. Troisième étape, Dedoubou, Koudoubou, ils étaient 4. Et hier, ils étaient 3. Donc, tous les jours, on prie. On est 0-4. On est habitué et puis on s'attend à tout. Après donc Zinyaré, l'équipe médicale remarque un cycliste burkinabé à la traîne et inquiet, elle s'approche pour comprendre. Vous voulez prendre le là? Vous voulez quoi? Et puis avant de les prendre. On va te donner quelque chose. Tu vas prendre le temps. Tu as de l'eau? Voilà. Donc il dit que il sent des courbatures. On va voir ce que c'est. Quel environnement? Ouais, la particularité du cyclisme, c'est ça. Il faut les soigner sur le vélo. Voilà. Donc c'est comme je le disais, tout se passe sur le vélo. Et là, il dit qu'il a des céphalées, il ne se sent pas bien. Donc on lui donne des produits. Et l'autre équipe qui est derrière va l'évaluer au cas où. Voilà. Malheureusement, Sadou Diallo, le cycliste en difficulté, ne retrouvera pas complètement la santé et est obligé d'abandonner la course. La santé. Abandonne le numéro 34. Il est à notre niveau pour une meilleure prise en charge. Merci, bienvenue. Donc là, nous avons annoncé voilà, que le numéro 34 a abandonné. Un problème de santé et que nous le prenons en charge. Après ce cas, la commission santé n'a plus enregistré un nouveau cas jusqu'à quelques mètres de l'arrivée finale. Malheureusement, quelques cyclistes ont été pris dans un accrochage au dernier sprint, provoquant plusieurs chutes. La commission santé doit se déployer complètement pour venir en aide à ces cyclistes. Souleymane Kone et Mathias Sorgo, les deux Burkinabés, en plus d'un Suisse, étaient dans cette chute malheureusement. Mathias Sorgo reçoit des soins sur place, mais Souleymane et le Suisse, par contre, ont été évacués dans un centre de santé accompagné par le docteur Ibrahim Séré. Une situation que déplorent quelques cyclistes. C'est un peu dommage de retrouver des dodanes à l'arrivée. Je pense que ce n'est pas vraiment l'endroit pour mettre des arrivées là où il y a des dodanes. Il faut aussi penser à la sécurité des coureurs. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que le Burkina, c'est un pays quand même où il y a énormément de dodanes. Et trouver des endroits où il n'y a pas de dodanes, c'est compliqué. Mais il faudrait quand même qu'on puisse mettre des arrivées où au moins dans les 500 derniers mètres, il n'y a pas de dodanes. Parce qu'on le voit aujourd'hui, les coureurs sont à fond. Après 100 km de course, il n'y a plus forcément de lucidité. On ne voit plus forcément très clair. Donc voilà, on voit à l'arrivée que ça peut faire mal. Mais finalement, on est les plus touchés. Donc bon, c'est un peu triste quand même. Je pense que le circuit a été mal choisi. On ne sait pas pourquoi on l'a fait, mais vraiment, c'était mal choisi. Avec les deux dans les derniers 100 mètres, c'est vraiment risquant. Si on lance le sprint sans regarder, en fait, si on lance le sprint, on ne regarde plus devant. Donc du coup, si tu pars taper, c'est tout un problème. Donc c'est vraiment un tour très, très, très difficile pour nous.
avec les accidents. Aux dernières nouvelles sur place, après la remise des prix, les deux cyclistes sont hors de danger. En attendant le bilan officiel sur leur état de santé, il est fort probable que leur tour du Faso s'arrête à cette cinquième étape. Voilà, on a pu le voir, une commission très active. On espère que cette chute sera donc la dernière, la dernière prise en charge pour la commission donc santé à ce tour. Alors, Salamberi, il y a également quelque chose qu'on a remarqué avec cette fameuse chute, la question donc des dodanes aussi. Vous voulez en faire en plus simple, en plus burkinabé, la question des gendarmes couchés. Oui. Non, mais ça, c'est pas normal. Aziz l'a relevé. Je crois que c'est pas normal qu'à 100 mètres ou à 200 mètres de l'arrivée d'une course aussi importante que la nôtre, qu'on retrouve des dodanes à l'arrivée. Parce que quand les sprinteurs démarrent leur sprint, véritablement, ils voient plus devant. Donc, vous croisez un dodane sur la route, la chute est vraiment programmée et c'est vraiment pas bien. Moi, je me dis qu'avant la course, je crois qu'il y a une commission qui a circulé un peu, si on est pour voir le circuit, afin de voir quelles sont les zones où il faut véritablement être arrangé avant que les coureurs ne prennent le départ. Mais s'ils n'ont pas vraiment fait attention à ces dodanes, c'est véritablement dommage pour la commission. Le Tour du Faso, tu le connais? Ouais. En tant que reporter. Ah oui, mais bon j'aurais mal imaginé qu'on retrouve des dodanes à l'arrivée de. Je crois que c'est à Tinkurgo. Tu n'es pas allé sur le tour. Non, je ne suis pas allé sur le tour. Des éditions du tour, tu en as vécu de plus près. Oui, de plus près. Mais il y a une édition qui t'a marqué. De celle que tu as vécu de près. Bien sûr. Je ne sais plus, mais c'est l'édition où Aziz Lim, Rassmane a remporté, je crois que je ne me rappelle plus de l'année, mais en tout cas, cette édition, ça, mais il n'y a pas eu ces genres d'accidents, il n'y a pas eu ces genres de voies accidentées où ça peut vraiment empêcher les coureurs d'étaler leur talent. Et c'était, on va dire, une expérience formidable. Très, très formidable. On a vu Marcel Bellem et Victorien Marien également nous parler de ce qu'ils vivaient. Ce n'était pas aussi évident. Il y en a qui dormaient dans un commissariat. Tu as dormi dans un commissariat? Non, je n'ai jamais dormi dans un commissariat. Mais tu as beaucoup de chance parce que Assamy Thiem-Touré et ses collègues donc présents sur le tour ne dorment pas dans un commissariat. Je pense qu'ils arrivent à trouver des hôtels assez, donc, on va dire assez équipés pour leur séjour. Et Assamy revient pour nous. Pour vous, pour tous les téléspectateurs, c'est donc les conditions de travail des journalistes à ce 31e tour du Faso. Et le Tour international du Faso enregistre un grand nombre d'organes de presse en vue d'une couverture large. Toutes les corporations ont été associées, à savoir la presse audiovisuelle, la presse écrite et le web. Chaque étape est jour de concentration et de chasse à l'information. Pour ce qui est de la presse audiovisuelle, en particulier les chaînes de télévision, il est impératif d'avoir des images pour faire vivre l'événement aux téléspectateurs. Pour ce faire, toute la course doit être filmée pour mieux relater les faits, chose qui n'est pas du tout aisée au vu des conditions proposées par les organisateurs. Beaucoup de tracasseries et de difficultés pour pouvoir suivre le peloton. Malgré ces inquiétudes signalées bien avant le début du tour, par un confrère, force est de constater que le problème perdure. Très très difficile. La couverture médiatique sur le Tour du Faso est très difficile, en tout cas pour les médias privés. Je prends un simple exemple. Nous sommes 4 télés à être sur parfois une seule moto. De la première étape jusqu'à la troisième étape, nous avons été derrière un motard. On s'est relayé dessus. Dans ces conditions, c'est difficile parce qu'une course, ce n'est pas seulement l'arrivée et le départ. Après le départ, il y a des attaques, il y a des sprints intermédiaires, il y a des chutes, il y a des crevaisons, il y a plein d'autres petits sujets qu'on aurait aimé faire à côté. Mais malheureusement, nous sommes limités parce qu'on ne peut pas rester dans la voiture et filmer. Chez nous, en télé, c'est d'abord l'image qui prime. Donc dans la voiture, c'est même interdit de filmer étant dans la voiture. Donc la seule solution, c'est d'être derrière un motard, être dans les conditions et pouvoir filmer à l'échelon course. Malheureusement, ce n'est pas possible. Si vous avez une distance de 120-150 km à parcourir, vous ne pourrez filmer derrière un motard que sur une distance d'à peine 15 km. Et ensuite, tu es obligé de passer la main à une autre télé. Donc, c'est vraiment difficile. Dans ces conditions, c'est difficile. Mis à part cette difficulté, la presse est souvent confrontée à un souci de connexion.
soit pour retransmettre en direct l'événement sur les réseaux sociaux ou pour envoyer le reportage à la rédaction. C'est pas facile parce que déjà avec le nombre de personnes dans le véhicule qui n'est pas vraiment chose donnée, en plus de cela aussi, on est confronté à un problème réel hein, de débit de connexion. Parce qu'il arrive parfois que dans certaines zones, la connexion soit vraiment très mauvaise, pour ne même pas dire inexistante. Donc, tu envoies un tweet qui ne part pas, qui est refusé parce que le réseau ne permet pas au tweet là d'être publié. Et après, tu te rends compte que le tweet n'est pas parti. Alors que, comme je le disais, on fait vivre vraiment à travers un live tweet, seconde par seconde, minute par minute. Dès qu'il y a une nouvelle information, il faut la mettre. Et parfois, on se retrouve avec deux, trois tweets qui ne sont pas partis, deux ou trois publications sur Facebook qui ne sont pas parties. Et ça, finalement, ça s'échelonne, ça se jalonne. Et puis, ça crée un petit problème de chronologie hein, dans les informations que l'on donne. La connexion aussi était préparée plus ou moins. Nous, on a la chance d'être un peu à plusieurs dans notre équipe pour la télé. Nous sommes trois, donc on se répartit les rôles. Mais quand on est seul, j'avoue que ce n'est pas facile. Parce que la connexion après les péages de Ouagadougou, il n'y a plus de bonne connexion ailleurs. Vous arrivez pour envoyer un petit élément, vous allez trimer. Pour un élément d'une minute trente, vous allez passer parfois même une heure pour l'envoyer. Donc franchement, la connexion pose un problème sérieux. Et bon, le reste... On s'est débrouillé avec nos téléphones, avec les moyens de bord. Jusque-là, toutes les villes traversées où j'ai trouvé qu'il y avait une bonne connexion, c'était Tenkodogo. Étant à sa 33e édition, le Tour du Faso, vu de l'extérieur, a à revendre. Pour avoir l'exclu, plusieurs journalistes étrangers ne ratent cet événement. Ablam Yamesso, journaliste béninois sur le Tour du Faso depuis plusieurs années, est présent non seulement pour suivre l'équipe nationale du Bénin, et également se faire de l'expérience. Il faut le dire qu'au Togo, soit au Bénin, c'est un tour excitant, surtout que c'est 2.2 au niveau de l'UCI. Du coup, donc, tout le monde a envie de venir participer, découvrir encore et voir comment ça se passe chaque année. Et également, le Burkina qui lutte à aller maintenant passer à 2.1. J'avoue que contrairement au Tour du Togo ou au Tour du Bénin, il y a une différence d'ailleurs même qui est nette hein, par rapport à la vitesse. Nous prenons par exemple l'arrivée de chaque étape, les vitesses moyennes sur le Tour du Bénin ou soit sur le Tour du Bénin, ce n'est pas la même chose et sur le Tour du Faso. Voilà donc un des éléments clés qui également nous incite à être sur le Tour pour voir comment ça se roule sur le Tour du Faso. Voilà, beaucoup de difficultés dans la couverture médiatique du Tour du Faso, mais qui ne sauront empêcher les hommes de médias de rester professionnels tout en espérant de meilleures conditions de travail aux éditions prochaines. Et voilà, des journalistes friands de bonnes conditions de travail sur le Tour. Alors, Salaméré, ça ne change pas de ce que tu vivais souvent sur le Tour, hein? Ça ne change pas parce que là, je crois que la commission, peut-être la grande commission qui s'occupe véritablement des journalistes, ne prévoit pas. Voilà, parce qu'il y a des réalités que les journalistes affrontent autour de la caravane et que la commission ne prend vraiment pas en compte. Parce que, après, que vous après... ne revendiquez pas trop aussi quand même, vous les journalistes. Ah non, c'est pas... Non, le journaliste normalement doit travailler dans des conditions vraiment les meilleures pour donner l'information fluide et fiable à tous ceux-là qui consomment l'information, que ce soit à la radio, à la télé ou bien la presse écrite. Mais je crois que les organisateurs devaient normalement à chaque édition tirer les enseignements de ce qu'ils ont vraiment vécu, surtout au niveau de la presse, pour améliorer les conditions de vie et du travail des journalistes pour la prochaine édition. Football à présent avec les étalons donc qui s'activent en attendant le Niger et l'Algérie, des matchs comptants pour donc les éliminatoires de la Coupe du Monde et Qatar 2022, un mondial hein, qui reste l'objectif ultime du Burkina Faso. Et en attendant donc ces deux matchs, le Burkina s'active également ben, sur le volet diplomatique. Ben, la Fédération Burkinabé de football a adressé une série de correspondances à la Confédération africaine donc, de football. Voici la première correspondance qui s'affiche donc
donc sur votre petit écran. Donc le Burkina qui demande tout simplement que les conditions d'organisation du match Algérie-Burkina soient donc revues, que toutes les conditions soient mises afin que ce match se déroule dans de bonnes conditions. On a en mémoire ce fameux match de Blida, voilà, où, en 2013, voilà, où les Burkinabés avaient donc dénoncé certains manquements, en tout cas une correspondance adressée à la Confédération africaine de football et signée du secrétaire général de la Fédération Burkinabé de football, Ibé. Doit-on s'inquiéter pour autant des conditions d'organisation de ce match entre l'Algérie et le Burkina, un match qui comptera certainement pour la finale de ce groupe? Moi, je pense que la fédération fait bien de s'y prendre très tôt, justement, en tirant sur la sonnette d'alarme, parce que vous n'êtes pas sans ignorer les conditions que les étalons ont vécues en 2013 lors des éliminatoires du Mondial 2014. Le fameux match à Blida, où l'équipe a véritablement vécu un calvaire depuis l'hôtel au stade et même après le match. Et après, on a vu même une interview d'Aristide Banzé qui disait que lui, il n'était pas sûr que si le Burkina Faso gagnait, on allait quitter le stade là, sain et sauf. Heureusement qu'on est revenu sain et sauf. Alors, donc, on va s'arrêter sur la préparation sur le terrain de ces deux matchs côté diplomatique. En tout cas, la Fédé fait ce qu'elle a fait, mais sur le terrain, Kamou Malo donc, a déjà livré la liste du commando qu'il compte envoyer à Blida, parce que c'était un véritable commando dont il s'agit. La liste a été donc communiquée hier jeudi au cours d'une conférence de presse, et Yacine Sawadogo nous revient avec donc les temps forts de cette conférence de presse. Deux matchs décisifs attendent les étalons du Burkina dans sa marche vers la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour ces rencontres, le sélectionneur national a fait appel à 27 joueurs. Une liste de Kamou Malo qui connaît les retours de Hassan Bandé, Cyril Bayala et Kylian Nkema. Blessé, Bertrand Traoré est lui forfait pour les deux matchs. Babayoure Sawadogo, Ben Idriss Traoré et Mohamed Lamine Ouattara sont également aux abonnés absents. Bon, je pense que si au vu de ce plus-value à ça, vous avez vu que sur les joueurs locaux, il y avait deux gardiens qui ne sont plus là. Alors, je pense que c'est essentiellement dû à la performance du moment des uns et des autres. Sinon, il n'y a pas une autre connotation là-dedans. Évoquant les enjeux du match contre l'Algérie, le sélectionneur national reste sur sa logique. Se concentrer d'abord sur le match contre le Niger. Il faut d'abord que nous gagnions, projeter sur un match, le match contre l'Algérie, alors que un match aussi tout aussi important. Mais rassurez-vous, c'est deux matchs auxquels nous tenons. Et ça c'est sûr, si nous espérons, nous décidons, nous voulons aller effectivement au Qatar, ça passe par là. Il n'y a pas d'autre manière, il faut se battre avec les armes qu'on a, en tout cas pour espérer. Ce n'est pas parce que nous avons des blessés dans nos rangs que nous cessons d'être une équipe compétitive, non. Le match contre les Fenech d'Algérie se joue également sur le terrain médiatique et Kamou Malo dit en être conscient. Pour les sélectionnaires du 11 national, inutile de céder à la provocation. La presse algérienne, c'est qu'elle font, mais moi, vraiment, je n'en ai pas besoin et je pense que c'est une manière de vouloir nous mettre la pression. Moi, je trouve que c'est indécent pour une aussi grande équipe dont on prétend. Donc, pour moi, nous restons lucides dans ce que nous faisons. Avant ces deux dernières journées, le Burkina Faso totalise 10 points, de même que l'Algérie, son adversaire de la dernière boutique, quant à lui, n'a engrangé le moindre point. Les étalons seront face au MENA du Niger le 12 novembre prochain à Marrakech au Maroc, avant de s'envoler le 16 novembre pour Blida en Algérie pour la confrontation face au Fenech. Voilà, Kamou Malo qui donc sitôt la liste communiquée devra donc se passer de trois joueurs initialement retenus. Il s'agit de Yacouba Sonien, de Fessal, donc Tapsoubaï, de Boutué, donc Fiak. Mais des joueurs qui seront remplacés par Dango Ouattara, de Lorient Cheikh Djibril Ouattara et Mohamed Lamine Ouattara. On aurait dit un clan de Ouattara qui vient donc pour prendre la place de ces trois joueurs donc blessés. Alors, mais ce qu'il faudra retenir, Salambéré, les joueurs, le staff, tout le monde nous semble assez prêt,
mais il y a également, on va dire, un faux jeu que l'Algérie est en train de jouer en tentant par tous les moyens de saper le moral des étalons à distance, de recuser l'arbitre du match Burkina-Niger. Alors que bon, on se demande à quoi jouent les Algériens finalement. Oui, ben c'est une guerre médiatique, on va dire, que l'Algérie est en train de mener pour véritablement saper le moral des Burkinabés. Parce que vous souvenez qu'en 2013 déjà, c'était comme ça, où le quart des étalons a été caillassé. Les étalons n'ont pas eu le temps d'entraînement nécessaire qu'ils devaient avoir. La reconnaissance de la pelouse, les lampadaires se sont coupés où les étalons n'ont pas fini leurs entraînements. Ils se sont chaussés, se sont rhabillés dans le car. Ouais, et ils n'ont pas dormi toute la nuit. Et voilà que la pelouse de Blida est véritablement détériorée. Ils sont en train de travailler pour la mettre à... Mais est-ce qu'on est sûr que vraiment le 16, on aura une pelouse praticable pour jouer ce match? Parce que c'est une finale dans la poule A. Maintenant, l'Algérie demande à la CAF par rapport à la situation qui existe entre le Maroc et l'Algérie, la situation politique par rapport au Sahara occidental. Où, ça nous regarde pas. Voilà, ça nous regarde pas. Oui. Mais moi, je ne peux pas comprendre que la CAF programme et la FIFA programme un arbitre marocain et que l'Algérie demande à la FIFA de changer et ça se passe comme une lettre à la poste. Non, alors, Salaméry, justement, je pense que pour donc, cette affaire d'arbitre, finalement, je pense que la FIFA, visiblement n'a pas donc, donné raison à accéder donc, à la réclame de l'Algérie. Mais on va se reconcentrer pendant quelques minutes sur le groupe convoqué par Kamou Malo. Est-ce que c'est les hommes en forme du moment, IB? Est-ce que c'est le meilleur groupe pour aborder dans les meilleures conditions ces deux matchs donc, face au Niger et le second face à l'Algérie? Absolument. Moi, je pense qu'on ne peut pas trouver à redire par rapport au groupe que Kamou Malo a convoqué. C'est vrai, à l'exception de quelques joueurs qui ont été mis à la porte, en l'occurrence Babayoure, Sawarou, Ben Idriss, de l'AS Sonabel, mais également, comment il s'appelle déjà, Bertrand qui est blessé. Oui. Sinon, on a reconduit pratiquement le même groupe en intégrant, bien sûr, Kylian Nkiama, le jeune portier, à qui on veut bétonner un avenir donc, à l'équipe nationale. Il y a également, Farid qui est là, qui est dans le groupe depuis un certain temps. Et moi, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux que cette liste, en tout cas quand on parle de l'équipe nationale burkinabé. Ces trois joueurs annoncés, donc, qui se sont blessés, Sonia, Faisal, surtout Faisal, qui a fait de bons matchs lorsqu'il a été sollicité. Et il faudra donc se passer donc, de Faisal pour ses, on va dire, face au Niger et surtout face à l'Algérie. Est-ce que, quelque part, on va dire, ce n'est pas le coup le plus dur reçu par les étalons? Sinon, absolument le coup le plus dur, parce que c'est le meilleur buteur des étalons durant ces éliminatoires. Après, on avait espoir qu'on allait pouvoir récupérer Bertrand, une autre arme pour le Burkina. Il n'en est rien. Finalement, il n'aura quasiment pas joué durant ces éliminatoires. Et comme pour ne rien arranger, Boutiou Kwame qui est blessé, lui, un attaquant, Yacouba Soyé qui était venu en renfort en attaque, lui aussi est blessé. Donc, c'est une attaque complètement décimée de l'équipe burkinabé. Qu'on va utiliser. Mais il y a Dango Ouattara qui fait de bonnes séquences avec Lorient, il y a Cheikh Djibril Ouattara qui retrouve l'équipe nationale et Mohamed Lamine Ouattara certainement qui aura sa chance hein, parce qu'il a régulièrement été convoqué, mais on ne peut pas dire qu'il a vraiment eu sa chance hein, avec les étalons, n'est-ce pas? Mais il a eu quand même quelques entrées infructueuses. Le match amical face au Maroc, il a joué quelques minutes. Également face au Djibouti, il avait joué. Il n'a pas trouvé le chemin des filets encore. Sauf que même en championnat national, pour l'instant, ça cale. C'est pas même la mine qu'on avait eue en début de tout saison. Tout soufflant la saison dernière. Début de saison passée, la preuve, il n'avait pas été initialement convoqué en raison justement de ses contre-performances. Et là, il retrouve l'équipe nationale suite à une situation qu'on n'avait pas souhaité. On espère pour lui que pour une fois, il va saisir grandement sa chance. Vraiment, c'est ce que je voulais relever, parce que là, la forme de Mohamed Lamine Ouattara l'année passée et la forme actuellement, c'est vraiment c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Et je ne peux pas comprendre que peut-être... Il n'a pas beaucoup non plus aussi joué avec l'AS Sonabel. Oui, c'est parce que, à mon avis, hein, c'est parce qu'il avait été convoqué à plusieurs reprises en équipe nationale et qu'il n'arrive pas à jouer, il n'arrive pas à s'entraîner avec son équipe, son club. Et donc, conséquence, au championnat, il ne marque pas.
Donc là, il est véritablement en méforme. On espère qu'il va profiter de ces deux matchs pour se réveiller. Pourquoi pas, peut-être Lamine, hein, héros donc d'une qualification Par rapport à un Cédric Badolo que moi je trouve très intéressant. Ça pour, par contre, il a quelque chose à dire. Voilà, oui. Par rapport à Cédric Badolo. Mais ce n'est pas le même poste, malheureusement. Oui, mais bon, vous savez, on peut tout arranger dans une équipe. On peut replacer un joueur pour lui permettre de pallier. C'est pas le lieu pour faire des tests sur le positionnement des joueurs, Salah Béré. C'est pas un test de positionnement, oui. Mais c'est juste un ajustement pour en équipe nationale, hein. Oui. Faire de la magie. Non, pas de la magie. Ajuster pour pouvoir avoir un résultat. Alors, messieurs, on reste toujours dans l'organisation de ce match, si vous le permettez. Le Burkina, toujours, on va dire, cette offensive de correspondance donc, lancée par la FBF avec cette demande de changement donc, pour le match Burkina Faso, donc Niger, correspondance adressée donc, à M. le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Voilà, le Burkina qui souhaite que le match face au Niger, comptant donc pour la cinquième journée des éliminatoires, soit programmé à 16h. Donc, heure locale, 16h, heure de Marrakech. Alors, je ne sais pas, Salah Béré, Marrakech, 16h, ça fait combien? Ça fait quelle heure à Ouaga? Ah, je crois qu'ils ont une heure d'avance. Ils ont une heure d'avance, donc on va dire 15h à Ouaga. Pourquoi le Burkina demande à ce que ce match soit reprogrammé à 16h? Quelqu'un a eu d'explication pour moi sur ce plateau? Non, moi, je n'ai pas d'explication, mais peut-être c'est pour mettre les joueurs dans de meilleures conditions et que. Parce que. Je ne connais pas le véritable temps qui se passe actuellement au niveau du Maroc. Sinon, et quand nous y étions avec la SFA, il y avait une véritable canicule hein, qui régnait à Marrakech lorsqu'on est parti avec la SFA. Et même à 16h, c'est comme si vous étiez au Burkina Faso ici au mois de mai. Ah. Bon, donc, écoutez, moi, je n'étais pas à Marrakech. Moi, je me suis dit que c'est les conditions... climatique. On va pas s'azarder dans des explications qu'on n'a pas forcément. Bon, voilà. Alors, on reste toujours dans ce match. Donc, le Burkina hein, qui demande encore quelque chose. On va voir donc cette correspondance s'afficher cette fois. La dernière, voilà, donc programmation du match Algérie-Burkina Faso. On sait tout ce qui s'en est suivi. Un match qui était initialement donc qui a été donc ramené au 16. Ah, le Burkina qui veut en tout cas s'entourer de toutes les garanties pour que ce match se déroule convenablement. On peut dire que cette offensive hein, lancée par le président, mais des correspondances signées donc par Alassane Dandjinou, le secrétaire général, est-ce qu'en définitive, ça va nous permettre de mieux aborder ces deux matchs, surtout celui contre l'Algérie? Donc moi, je pense que l'objectif visé, c'est d'abord d'attirer l'attention de la CAF sur... le danger qui peut exister autour de ce match. C'est un match qui peut être placé à haut risque. Et il y a aussi cette possibilité pour la CAF de définir des rencontres comme des matchs placés à haut risque. Et à tirer, ça va permettre à la CAF aussi de tirer sur la sonnette d'alarme sur les autorités algériennes afin donc qu'elles prennent les dispositions pour que le match se déroule dans les meilleures conditions. Sinon, pour le coup, je pense que c'est si on était convaincu dans notre conviction, on voulait effectivement un changement ou un truc, c'est pas des informations à être reliées, ça c'est des choses qui se gèrent de façon administrative d'institution à institution. Oui. Mais je vois que la fédération a rendu ça public. C'est aussi une manière donc de dire à l'opinion publique écoutez, par rapport à ce match contre l'Algérie, la fédération ne dort pas. Elle aussi, elle s'active sur le plan diplomatique. Et on finit par oublier qu'on devra d'abord jouer le Niger avant l'Algérie. Un résultat autre qu'une victoire face à l'Algérie, face au Niger plutôt, pourrait déjà, on va dire... Sauf que le coach, lui, n'a pas oublié. Ah ouais. Il a dit en conférence de presse, il dit que pour lui, le match le plus important, c'est celui face au Niger. Face au Niger. Après, donc, si lui, il a ça, je crois qu'il va inculquer cet état d'esprit-là aux jeunes garçons. Pour le reste, c'est sur le plan administratif et diplomatique que ça va se gérer. Voilà, donc en attendant les étalons la semaine prochaine face au Niger et quelques jours plus tard donc face à l'Algérie. On parle de football, Ligue 1, l'ONABE. J'ai oublié, j'ai failli sortir l'ancien terme ouais, qui nous est si cher. Ouais, c'est vrai que c'est la Ligue 1, l'ONABE en ce qui concerne la première division, mais ça reste quand même du fast-foot tout de même. Voilà, ça reste du fast-foot. Et il faut dire que donc la septième journée se disputera donc demain sur tous les terrains concernés. Ce matin, c'était donc l'étape de la
conférence de presse d'avant-match, Yacine Saoudogo y était. Il donc nous livre les impressions des différents techniciens en ce qui concerne le match AS Douala Étoile Filante de Ouagadougou. Classé 13e à la 6e journée avec 6 points après leur victoire sur l'ASK à Koupéla, l'AS Douala veut tenter d'aller dans la même dynamique ce dimanche 7 novembre face à l'EFO. On aura en face une équipe de l'EFO, il ne faut pas l'oublier, qui n'a pas encore fait de défaite. Je tiens d'ailleurs à saluer cette performance. Mais pour nous, il s'agira ce dimanche-là d'aller se battre crânement, dignement, pour pouvoir ressortir de ce match avec les 3 points. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir ressortir avec le gain du match. Avec 5 matchs nuls et 1 victoire, l'Étoile Filante de Ouagadougou occupe la 9e place, juste derrière son rival de tous les temps, l'AS Fanyeninga. Le coach Mohamadi Kabouré compte sur cette performance pour aborder le match contre l'AS Douala. C'est comme vous l'avez constaté, nous sommes là avec 6 matchs, 5 matchs nuls. Donc présentement, nous sommes dans une très bonne lancée pour aborder cette rencontre. Surtout côté offensif, nous avons mis l'accent vraiment sur cette partie où nous avons travaillé toute la semaine, surtout la finition, pour engranger les 3 points face à l'AS Douala. L'autre rencontre aussi attendue est celle qui va opposer le Majestic à l'USFA à Zignaré ce samedi. Après une sortie réussie à Bobo Dioulasso sur Vitesse FC, Majestic revient à 9 points que son adversaire de la 7e journée. Le coach du club de Saponé dit avoir mis tous les ingrédients nécessaires pour aborder le match. Durant toute la semaine, on a travaillé. Voilà. Assez dur, hein, parce qu'on sait que c'est une équipe déjà qui joue le titre. Histoire, c'est une grande équipe, voilà, du Faso Foot qu'on doit affronter. Donc, il faut mieux s'armer de tous les côtés pour mieux aborder le match. Les supporters de Zignaré, qui est notre domicile, voilà, c'est ceux qui vont se mobiliser pour venir supporter leur équipe. Dans les autres rencontres, l'AS Police joue la SK ce samedi à 15h30 et le RCK Royal FC à 17h45 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Vitesse FC Ikuko FC au stade Wobi à Bobo Dioulasso. Le dimanche 7 novembre, RCB reçoit Salitas au stade Wobi, tandis qu'à Ouaga, l'AS Douala classé 4e accueille l'ASFB. Voilà, donc l'AS Douala classé 4e qui accueille donc l'ASFB, non, attention, l'AS Douala qui joue l'Étoile Filante de Ouagadougou, plutôt, il me semble. Hein. Voilà, il me semble, voilà. Et on aura Police, donc ASK, RCK, Royal, Vitesse, et Kiko, RCB, et Salitas. Et on Majestic, Majestic USFA. Voilà, Majestic USFA, l'USFA qui ne s'est pas présenté donc à la conférence de presse d'avant-match. C'est assez, quand même, assez difficile, hein, quand on veut vendre un produit à la matière. Qu'est-ce qui est prévu? Les clubs ont-ils obligation de venir aux différentes conférences de presse d'avant-match à la mairie? Oui, je crois que dans les textes, c'est prévu. Hein, les clubs doivent nécessairement envoyer les entraîneurs titulaires, sauf en cas de. Voilà. Empruntez-moi le mot. Imprévu, hein, en cas d'imprévu indépendant de leur volonté. De leur volonté. Et normalement, les clubs doivent envoyer le coach principal et le capitaine ou bien un représentant des joueurs vraiment répondre aux questions des journalistes. Mais je me dis peut-être que c'est parce qu'on a l'habitude d'organiser cette conférence de presse les jeudis. Et qu'aujourd'hui, c'était vendredi. Bon. Mais ils sont tous excusés. Alors, voilà. Il faut préciser un second. Je pense que s'il y a une communication qui est faite avant et que les équipes sont notifiées, et derrière, il y a aussi la convocation de la presse. Donc, tout le monde doit être là. Et, en principe, tout le monde doit être là, puisque c'est ce que le règlement stipule. Salambéré, au passage, félicitations à lui pour la Ligue des secrétariats exécutifs de la Ligue de football professionnel. Mais en même temps, il faut se dire que la conférence de presse est une obligation, parce que c'est stipulé dans le règlement intérieur. Et chaque équipe qui ne participe pas, qui ne présente pas son entraîneur titulaire, doit équiper d'une amende de 50 000 francs. Ah ouais, et si l'équipe récidive 2 à 3 fois, on peut arriver donc au retrait des points. Voilà. Et vous n'avez que 2 jockeys toute l'année.
avec des justifications, bien sûr. Que Bisfa, la prochaine fois, se présentera. Alors, messieurs, on est quasiment au terme de cette émission. Et moi, on ne saurait se quitter sans parler un petit peu tournoi de vacances, même si les vacances sont déjà terminées avec la finale donc, du tournoi Jeunesse Unie de Kourou, une compétition donc, qui a été donc, lancée par Ali Guissou, président de l'AS Douane et fondateur du Real du Faso. Kadeba FC suit la plus haute marche du podium de la 9e édition du tournoi Jeunesse Unie de Kourou. En finale, face à Stella de Réau, les Blancs ont pourtant dû attendre les derniers instants de la partie pour faire la différence. Dans cette partie aussi équilibrée que belle, les deux formations se livrent coup pour coup, si bien que la première des deux fois 25 minutes impartie se termine par un 0 partout. Renvoyé à la pause par l'arbitre Bukari Ouedraogo, Kadeba et Stella reviennent avec de nouvelles ambitions, mais les débats restent équilibrés. Mais alors qu'on se dirigeait vers la séance de tir au but, que Kadeba fait la différence. Sur une action à l'issue quelque peu confuse, l'arbitre central indique le but pour Kadeba. C'est la joie dans le camp des Blancs, même si le ballon semble plutôt passer par le petit filet extérieur. Vainqueur de la compétition, Kadeba FC repart avec le trophée des numéros et des équipements sportifs. Tenue sans interruption depuis quelques années, la 9e édition du tournoi Jeunesse Unie est de l'avis du promoteur l'édition de la maturité. Je ne peux que remercier Dieu pour nous avoir permis... pour nous avoir permis d'organiser cette compétition du début jusqu'à maintenant sans incident. Nous espérons que, en tout cas, tout est bien beau. Ça a bien commencé, ça finit bien. On est vraiment content, on remercie Dieu. Pour sa place de finaliste, Stella de Réau repart avec des numéros et des équipements sportifs. Le temps pour le promoteur de se réjouir de la découverte de certains talents qu'il espère promouvoir. Naturellement, je pense que depuis fort longtemps, on me donne des noms. Bon, je pense que j'ai eu l'occasion de constater un numéro 11 ou bien chez là. Je vois que bon, c'est quelqu'un qu'on peut amener par exemple au Real du Faso ou bien à l'AS Douane. Bon, ça ne peut que faire du bien. En plus des lots décernés aux différentes équipes participantes, les deux clubs phares de la ville, le BPS et l'ASEC, ont chacun reçu de la part du promoteur 20 ballons. Une façon pour Ali Guissou de contribuer davantage à l'épanouissement de la jeunesse de la cité du Cavalier Rouge. Voilà, on aurait bien voulu poursuivre la séquence donc des débats sur ce plateau, mais on me fait savoir depuis la régie que nous sommes au terme donc de cette émission. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on se donne rendez-vous lundi prochain pour plus d'informations sportives. On aura donc le championnat national de la Ligue 1 Lonabé. On aura également les dernières étapes du Tour de façon en espérant que les Burkinabés rafle le ce fameux maillot jaune. C'est donc tout pour Sport 3 de ce jour. Mais en attendant la prochaine édition prévu pour lundi, restez fidèles au programme de Tri TV.